sport, nous vous proposons de suivre maintenant ses réactions, toujours dans le sens de l'hommage rendu au professeur Zadi Zahoro. Ah, Zadi Zahoro, le professeur Zadi Zahoro, c'était un homme à part entière, gentil, simple, ouvert. Et je dirais que c'était une bibliothèque. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a seulement un mois, que j'ai pu organiser une conférence, débat dans mon école, où les enfants l'ont vraiment honoré. Je dirais, comme si je savais. Aujourd'hui, il est parti. Mais je sais quelque part qu'il n'est pas content, parce que les enfants, les tout-petits l'ont honoré. Et là, je suis même fière, parce que j'ai appris beaucoup de lui. Il a marqué mon enfance et j'ai appris que dans la vie, il faut se battre, il faut avoir des idées. Et c'est ce que j'ai mis en pratique grâce à lui. Je vous avoue que j'ai été désagréablement surpris à ma descente d'avion, dès que j'ai remis mon portable en marche. Le premier message sur lequel je suis tombé, c'était celui m'annonçant la disparition du maître. Vous comprenez donc le choc que j'ai dû recevoir d'abord, même si d'une manière ou d'une autre, j'étais plus ou moins préparé. Vous me dites, moi qui ai côtoyé Zadi, vous voulez voir mon témoignage, je n'ai pas côtoyé M. Zadi, non, je ne parle pas de M. Zadi en termes de quelqu'un que j'ai côtoyé. C'était mon maître, le père que je n'ai pas eu, le frère aîné que je n'ai pas eu. Nos rapports vont au-delà des simples rapports de maître à disciple, mais de rapports de maître à élève. Nos rapports avaient atteint le stade de la sympathie, de l'empathie même. C'était un stade fraternel, il y avait un peu de tout cela dans nos rapports. Donc vous comprenez que j'ai pu subir le choc, même si pour avoir suivi de très très près l'évolution de son état de santé, je pouvais m'y attendre. C'était un immense homme de culture, un intellectuel cultivé et savant comme j'en ai rarement rencontré tout au long de mon parcours. J'ai lu des livres, j'ai rencontré des intellectuels, mais Zadi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il n'y avait pas que le savant, il n'y avait pas que le pédagogue qui savait dispenser le savoir, mais il y avait l'homme qui était pétri de qualité humaine à un point que vous ne pouvez pas soupçonner. C'était un homme pluriel, multidimensionnel, comme on le dit. Poète, il était capable de vous écrire les vers les plus brillants, les plus étincelants sur le monde événement banal. Être humain, il était sensible à la misère des autres, très sensible à l'injustice. C'est d'ailleurs pourquoi toute sa vie a été consacrée au combat, vraiment, vraiment pour la dignité, la liberté, le combat pour la droiture. Essayiste, oui, un essayiste de génial. C'était un universitaire de carrière académique exceptionnel. Vu la dimension de l'homme, l'homme tout court, c'est véritablement un désastre, une grosse perte pour le pays, la Côte d'Ivoire, et pour l'humanité, pour ce qui est des rapports d'échanges culturels entre les peuples. On peut dire que de ce point de vue-là, le professeur Zadi y a contribué très largement. Et ce que je retiens du professeur Zadi au moment où il nous quitte, c'est l'homme tout court. Il s'agit de l'humaniste qui s'est consacré à la vie des autres, sur tous les axes de ses actions. J'en retiendrai trois. Sur le plan politique, très tôt, il a été sensibilisé à la question de l'homme. Et déjà, depuis le lycée, il a créé une première association qui avait pour mission de lutter pour la liberté de l'homme noir et particulièrement de l'Africain. Et plus tard, cela a porté à créer l'USD. Ce n'est pas par hasard si en 90, il a créé l'Union des sociodémocrates. Le second axe de l'humaniste, c'est vraiment la création pure, la création littéraire. À ce niveau, son but était aussi de s'occuper des questions qui sont directement liées à l'homme. Il fallait
libérer l'homme des entraves diverses qui l'empêchent de s'épanouir. C'est ce qui explique l'axe poétique avec Fer de Lance, où il a engagé la lutte anticolonialiste, et ce texte lui a permis de faire le tour du monde, de dénoncer toutes les oppressions, particulièrement l'oppression des Africains. Le troisième axe que je retiens de l'humaniste, de l'homme qui s'est préoccupé de l'autre, c'est l'axe critique, la recherche universitaire pure. À ce niveau, le professeur Zadi a énormément apporté. Contrairement à bon nombre de nos critiques, Zadi a toujours soumis les théories européennes à une interrogation serrée et rigoureuse pour que ces théories lui apportent les éléments nécessaires à l'analyse du texte littéraire.